Bonjour à tous. Du coup, je me présente rapidement. Ensuite, je présente l'association, vu qu'il n'y a pas que des gens de l'EM. Et je vous présente aussi le but de l'événement. Donc, moi, c'est Hamza. Je suis le président de Genius Femmes Lyon, l'asso d'entrepreneuriat et d'innovation de l'EM. Donc, on a créé un nouvel événement cette année qui s'appelle l'EM, un incroyable maker. En fait, on est parti du constat qu'à l'EM, il y a plein de gens qui font des choses assez formidables. Ça peut être de la création d'entreprise, mais ça peut aussi être des projets, donc juste des gens qui sont dans une démarche entreprenante. Et c'est l'objet de cet événement. Donc, on a déjà fait des trucs avec des, on a déjà fait des épisodes avec des gens qui ont fait le tour du monde, des gens qui ont créé leur boîte. Et là, aujourd'hui, on a voulu s'intéresser à des gens qui sont partis dans une région particulière, qui est la Silicon Valley. Donc, on le sait tous, c'est le berceau, le temple, ou je ne sais quoi, de l'entrepreneuriat. Donc, on s'est dit que ce serait pas mal de faire un épisode, enfin, d'inviter des gens qui sont partis là-bas pour qu'ils nous racontent un peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont touché. bref, leur vie là-bas, à la Silicon Valley. Donc, c'est vraiment un témoignage. C'est un regard parmi d'autres, des récits croisés. Donc, voilà. Sans plus attendre, je vous laisse vous présenter, donc Sam, Simon et Mehdi, un peu qui vous êtes avant de rentrer dans le cœur du sujet. Commence. Allez, vas-y. Vas-y, Ah, Mehdi. c'est lui qui est resté le plus longtemps. Du coup, moi, je m'appelle Samuel Amsalem, j'ai 23 ans. Je suis étudiant à l'EM Lyon en deuxième année. Pour rapidement parler de mon parcours, avant, j'ai fait du droit de la philo à la fac. Et entre-temps, j'ai monté une start-up avec un associé que j'ai arrêté quand je suis rentré à l'EM. Voilà. Moi, je suis assez intéressé par l'entrepreneuriat et la tech en général. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à trouver un stage à San Francisco. Donc, je n'étais pas exactement dedans la Silicon Valley, mais on va dire que c'est la même chose. Et du coup, mon expérience, moi, je suis parti en stage du coup de juillet 2019 à décembre 2019. J'ai fait 5-6 mois et j'étais dans une start-up qui faisait de la confiture. Donc, c'était une start-up, moitié start-up, moitié PME. Mais ils avaient levé des fonds, enfin, ils avaient quand même levé un petit ticket pour les US, mais entre 500K et 600K, et ils voulaient encore lever des sous. Et du coup, voilà, moi j'étais dans cette PME, et j'ai surtout vécu l'expérience stage et l'expérience assez sociale. Voilà, j'ai fait plein de trucs, je suis allé dans les facs, j'ai fait la fête, j'ai rencontré plein de gens de la tech. Et voilà. Et du coup, je pense que je vais laisser Simon et Mehdi se présenter, qui eux ont peut-être fait une expérience un peu plus dev, un peu plus tech, quoi. Voilà. C'est vrai qu'avant de parler d'expérience en soi, donc je m'appelle Simon, salut. Je suis en deuxième année aussi à l'EM Lyon. Et moi, je suis plus dans l'écriture et dans le marketing. Je travaille actuellement dans une maison d'édition, enfin, dans une maison d'édition dédiée à la finance, on va dire. Et j'ai été dans la Silicon Valley, effectivement, comme il dit, pour faire l'école 42. Et c'était une sorte de vacances d'apprentissage, aussi pour découvrir le lieu. Donc, entre-temps, s'est passé pas mal de choses qu'on racontera avec Mehdi, mais je te laisse te présenter. Yes, bah écoute, salut à tous et merci Hamza, merci de nous donner cette opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est dans le même appartement avec Sam et Simon. Ça, c'est assez marrant. Moi, dans ma chambre et dans le salon. Et pour venir un peu sur moi, du coup, je suis en deuxième année à l'UM Lyon et je suis rentré en 2018 et avec Simon, on s'était donné comme objectif de prendre. À la fin de notre stage, une période pour aller à la Silicon Valley et faire l'école de la piscine 42. Je vous raconterai pourquoi est-ce que c'est une belle opportunité,
Pourquoi est-ce que c'est accessible et pourquoi c'est vraiment quelque chose que je vous conseillerais vraiment de faire si le code ça vous intéresse et que vous voulez aller rencontrer enfin, d'autres gens dans la Silicon Valley. Moi, pour rapidement pour parler de mon parcours, j'ai cofondé Baby VC qui est un bootcamp de VC pour les aspirants VC mais aussi pour les entrepreneurs qui veulent comprendre la levée de fonds. Donc voilà, on est une communauté et du coup, je m'intéresse beaucoup à ça en ce moment, mais j'ai aussi l'impression que pour être un bon VC ou être un bon entrepreneur, il faut parler à son équipe produit et son équipe tech. Et donc, c'est pour ça que je suis allé à 42 pour comprendre toutes ces caractéristiques-là du produit. Donc, c'est pour ça que j'y suis allé. Voilà. Mais très, très chaud de répondre à vos questions si vous avez des questions plus précises et je vous raconterai pourquoi c'est une belle opportunité. Bon, tant qu'on est dans le placement de produits, parce que tu nous parles de BBVC, Sam, Simon, vous pouvez aussi placer votre produit. Lequel? Lequel? Bah, tes produits, si tu veux. Non, bah, moi, en très rapide, en ce moment, je suis en train de débattre. On peut connecter ça avec la Silicon Valley, hein, c'est vraiment la mode là-bas. Moi, en ce moment, je suis en train d'écrire une newsletter de méditation. Donc, je ne sais pas si tu fais référence à ça. Non, mais c'est intéressant. Je vais connecter avec la tech après. Je suis en train d'écrire une newsletter de méditation. Ça s'appelle Vitamine M. Donc, vous tapez Vitamine M plus Substack sur Google et vous allez trouver. Voilà, c'est chaque semaine, j'envoie des conseils et des ressources. Et voilà, enfin, je ferai la connexion après. Du coup, je vais laisser Simon se présenter. Parce que du coup, je tiens aussi une newsletter. J'avais commencé en décembre 2018 et là, j'ai une version plus évoluée qui est destinée aux personnes qui créent. Donc, ce soit autant quelque chose de physique comme des bijoux que du contenu. Moi, ce qui me passionne et pourquoi j'ai voulu aller là-bas dans la Silicon Valley, c'est l'univers des makers et des indie makers, des indie hackers. Ça me fascine. Et en fait, c'est sous cet angle, donc Est-ce indie que tu peux juste nous dire ce que c'est Indie Hacker, parce que peut-être que c'est pas familier pour tout le monde. c'est vrai. Alors, indie, c'est vraiment l'idée d'être indépendant. Donc, on peut mettre indie devant indie writer. C'est devant tout ce qui est un petit peu créatif en général. C'est une vague. Et maker, c'est souvent des solopreneurs ou des toutes petites équipes qui vont créer souvent des produits tech, mais on en parlera plus tard, mais ça m'a fasciné à quel point l'artisanat est valorisé à San Francisco. Pardon. Donc c'est cette idée de fabriquer quelque chose avec ses mains et de le faire de manière indépendante. Si vous voulez voir à quoi ça correspond, il y a un gars qui s'appelle Peter Levels, c'est un dingue. Vous tapez juste Peter Levels sur Twitter et vous allez voir, le mec a créé Nomad List, donc le principal site, enfin tout ce qui est remote dans le monde, c'est lui qui a tout créé, il est solo. Il défonce des équipes qui sont 20 et qui ont levé 30 millions, il est tout seul. Ça, c'est un indie maker. Et ma Ok. différence près de ça, elle s'appelle Odyssée et vous pourrez la trouver sur mon profil Facebook. Yeah, cool. Bon, on commence avec la Silicon Valley. Moi, je me posais une question. Je me disais, bah, finalement, pourquoi avoir choisi, bah, du coup, pour toi, si, Sam, d'avoir fait ta période internationale ou ton stage là-bas. Et puis, pour vous, Mehdi et Simon, pourquoi être parti peut-être juste rappeler quand vous êtes parti aussi dans le parcours de l'EM, histoire qu'on comprenne mieux. Donc pourquoi la Silicon Valley? Bah du coup, moi, je vais un peu raconter mon histoire. Au tout départ, j'avais, enfin, j'ai toujours rêvé d'aller à San Francisco, enfin, ou de bosser là-bas en tout cas. Ça commence à très très loin. En 2009 ou 2010, j'ai vu ce Social Network, le film du coup qui traite de Mark Zuckerberg et de Facebook. Ça m'a mis une grosse claque. Enfin, je pense que c'est aussi ce qui m'a un peu mis la graine. Enfin, de l'entrepreneuriat dans la tête, et je me suis toujours dit, bah vas-y, à un moment ils sont à San Francisco ou dans la Silicon Valley, ils ont l'air de kiffer, ça parle de millions, enfin, et c'est des mecs qui sont en sweat et en tong, donc je me disais que ça pouvait être super cool. Et du coup, quand j'ai cherché un stage avec l'EM, à la base, j'étais censé faire un stage dans une start-up dans le cannabis à Barcelone, donc rien à voir, rien à voir. Et j'ai fait. Ouais, c'est un peu le délire à la californienne, mais c'était pas pareil. Et du coup, j'ai pas été pris sur ce stage. Et au final, je me suis dit, bah vas-y, j'ai le temps, il faut que je cherche absolument. Et pourquoi pas trouver en Californie? J'ai beaucoup cherché. J'ai envoyé pas mal de mails, j'ai envoyé pas mal de candidatures. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de stages qui sont non rémunérés, en fait. Et ça, on ne le dit pas. Enfin, on parle souvent des salaires de stagiaires qui sont assez élevés.
Je prends un exemple bête, hein, mais à Salesforce, chez Salesforce, les salaires, ils sont entre 5 000 et 8 000 euros par mois, quoi, en stagiaire. En stagiaire. Et il faut savoir que les salaires de stagiaires, c'est les mêmes que les salaires de juniors dans beaucoup de grosses boîtes de la tech, sans les taxes. Donc ça veut dire que vous avez un salaire plein, quoi. Et ça arrive bah, que chez Google, vous soyez un software engineer et que vous soyez à 6 000 ou 7 000 euros par mois, quoi. Donc les mecs qui vous disent qu'en M&A, c'est eux qui gagnent le plus, c'est faux. C'est faux. Après, est-ce que tu peux relativiser par rapport au prix de la vie? Ça, je trouve ça intéressant de. Alors, ouais, mais du coup, moi, je cherchais un stage et j'ai pas mal cherché. Donc là, je peux citer les noms. Vous avez pas mal de sites comme AngelList, qui sont les sites pour aller trouver les jobs en startup. Vous pouvez aussi pas mal démarcher sur LinkedIn et même parfois sur des job boards classiques, Indeed ou ce genre de choses. Et il faut savoir que pour le visa pour le stage, c'est ultra simple. Enfin, je parle pas dans la situation actuelle, hein. Je parle dans la situation sans le virus. C'est super simple de trouver un visa pour le stage parce que il vous faut pas une green card et c'est pas, enfin, ils considèrent pas ça comme une expérience de travail, mais enfin, ils considèrent plus ça comme une expérience que comme un travail en soi, quoi. Donc, vous trouvez un stage, faut pas hésiter à envoyer des messages sur LinkedIn, à activer votre réseau, etc. Il y a plein de gens qui peuvent trouver un stage comme ça. Moi, j'ai mis, allez, peut-être 2, 3 semaines à trouver, ce qui est OK quand même pour un stage à San Francisco. Et Sur deuxième quoi? chose, Et hein, t'as cherché sur tous ces sites ou c'était un truc en particulier que t'as préféré? moi j'ai trouvé sur AngelList, mais j'ai cherché sur plein de job boards, sur mes réseaux LinkedIn. J'ai aussi cherché, du coup, bon là je parle pour les gens à l'EM, mais si vous êtes dans une autre école, vous regardez les gens de l'Alumni qui sont dans la Silicon Valley. Il ne faut pas hésiter à leur envoyer des messages. En général, ils vous répondent et ils vous aident. Donc voilà, j'ai un peu cherché sur ça. Et j'ai trouvé une boîte, du coup, qui n'était Des pas française. newsletters sur lesquels il y a des jobs, enfin, excuse-moi de te couper, mais tu as aussi des newsletters où tout en bas, tu as des jobs. Je pense à la newsletter de Accelerated qui a été créée par deux Américaines et dessus, enfin, Accelerated.substack. Et dessus, il y a plein de jobs, enfin, il y a plein d'offres de stage ou plein d'offres de taf aux US. On sait comment c'est compliqué en ce moment, mais normalement, il y a plein d'offres. Et du coup, moi, je voulais absolument trouver un stage qui était payé plus cher que mon loyer. Parce que sinon, oui, je tiens à le préciser, parce que le loyer est assez cher à San Francisco. Donc, Ça veut dire quoi concrètement? Genre, ça veut dire que moi, j'avais une petite chambre. J'étais bien placé, mais j'avais une petite chambre en coloc. J'étais à 1200, 1300 $ par mois. Voilà. Et j'ai trouvé ça grâce au réseau, donc ça peut facilement monter à 1 400 ou 1 500 pour une chambre assez basique, quoi. Donc si vous avez la trésor, un prêt ou des fonds familiaux, etc., et que c'est pas trop rémunéré, bon bah moi je vous conseille d'y aller quand même parce que c'est un super investissement. Mais si vous êtes juste, essayez vraiment de trouver un stage au moins qui est payé autant ou plus que votre loyer, histoire que vous ne soyez pas trop en déficit. Parce que vous allez être en déficit, ça c'est sûr, mais au moins que le loyer soit payé à chaque mois, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai choisi ce stage parce que certes, ce n'était pas le meilleur nom que je pouvais avoir sur le CV, parce que je pense qu'en France, bah, j'aurais pu travailler dans une plus belle boîte, mais je me suis dit, et je pense que c'est le réflexe qu'il faut avoir, que c'est mieux d'aller à San Francisco dans une boîte pas ouf, avec peut-être un poste pas ouf, mais d'être là-bas plutôt que d'être en France et de rester à Paris, parce que là-bas, les rencontres que vous allez faire et ce que vous allez vivre, c'est vraiment des trucs incroyables. Et enfin, je prends un exemple bête, hein, mais moi, dans ma coloc, j'étais avec trois ingénieurs, il y avait un Français, et il y en avait deux, dont un qui était en computer science à Berkeley, et l'autre qui avait drop-out, donc qui avait quitté le MIT et qui avait vendu une boîte à Google, quoi. Bon, il n'était pas millionnaire parce qu'il dormait dans une chambre plus petite que la mienne, on a bien discuté, et je sais que, enfin, il me disait des trucs qui me semblaient, enfin, pas ouf à l'époque, mais genre, il était pote avec le CEO de Notion, quoi. Donc, il m'a dit, bah voilà, je peux te faire une intro avec le mec de Notion, je le connais ou quoi, ok. Enfin, à l'époque, moi, je m'en foutais, en fait. Mais je veux dire, vous vous rencontrez très facilement des gens dans la tech. Et voilà, quoi. Enfin, une expérience à San Francisco, même si la boîte n'est pas ouf, ça sera toujours un vrai plus sur le CV. Parce que, bah voilà, quoi. Enfin,
Vous étiez au cœur de la Silicon Valley, vous avez bossé avec des Américains, et voilà quoi. Je sais pas si, enfin, Ok. c'est. Non, mais Justement très par. clair sur tes trucs. Enfin, Justement, par voilà. rapport à ça, je sais qu'avec Simon, on avait essayé de contacter des Français qui travaillent dans la Silicon Valley, juste avant d'être arrivé. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut faire, pour essayer déjà d'avoir des contacts là-bas avant d'y aller, ou, enfin, comment tu verrais ça? C'est une question pour moi. Ouais, c'est une question pour toi. Ouais, n'hésitez pas à vous poser des questions. Ouais, c'est ce que je fais. Alors, oui, mais il n'y a pas que les Français. Parce que certes, les Français font des très bons trucs, mais si vous allez dans la Silicon Valley, le but, ce n'est pas de faire ce que vous pouvez faire à Paris, c'est justement d'aller voir les Américains, quoi. Les Français, vous pouvez toujours faire une visio à l'autre bout du monde, ils sont OK en général, quoi. Donc, Ouais, mais je disais plutôt ça dans le sens où, par exemple, si tu peux contacter quelqu'un de l'EM qui travaille chez Uber ou dans moi, n'importe c'est quelle ce que boîte, j'ai fait. tu peux lui te faire une intro à n'importe qui d'autre C'est grâce toujours bien. C'est toujours bien, mais enfin, c'est toujours un plus pour gagner en connaissance. Mais il ne faut pas non plus penser que parce que, enfin, que parce que le mec te connaît, il va t'introduire à Mark Zuckerberg, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, aux US, c'est ça, on a tendance à pas le savoir. Et c'est un Français, du coup, qui me l'a dit. C'est que les intros, elles ne sont pas comme ça. Enfin, c'est certes, c'est très facile de prendre des cafés avec des gens, même dans la tech et même dans la Silicon Valley, mais c'est du long terme, en fait. Si vous voulez un job, le mieux, c'est de prendre un café avec un mec, de un peu discuter, et 6 mois après, 8 mois après, 1 an après, de le recontacter. Et là, en général, vous pouvez avoir votre offre, votre contact ou une autre intro, mais ce n'est pas si rapide qu'on ne le pense, mais surtout quand on est dans la posture du mec qui demande. En général, enfin, ils aiment beaucoup de prendre des cafés avec des gens, ça, c'est bien. Mais c'est pas non plus le ah bah je prends un café avec toi, enfin, le mec il va t'ouvrir son réseau, quoi. C'est enfin, certes, on peut penser que parce qu'ils acceptent que les Américains en général ils ont une culture qui fait que bah, ils sont très souriants, ils aiment bien proposer, ça veut pas forcément, enfin, c'est pas aussi facile qu'on le pense, et c'est toujours bien de prendre contact avec des Français, mais ça va pas, enfin, il faut pas se dire que, enfin, ils vont vous aider à mieux comprendre la culture, mais faut pas s'attendre à ce qu'ils vous trouvent un job, quoi. Voilà. Mais c'est toujours sympa en plus, et ça peut faire des connexions. Donc oui, c'est une bonne initiative. Ok. Et du coup, moi rapidement, pour parler de l'expérience de la piscine de 42, en fait, ce qui était intéressant avec 42, Est-ce que c'est tu peux, peut-être que 42, tout le monde connaît pas. bah, 42, c'est une école qui est exceptionnelle. C'est une école de code où il n'y a pas de prof, pas de classe et surtout, pas de frais d'inscription. Donc en fait, si tu veux rentrer, c'est toi et toi-même, c'est ton mérite. Donc en fait, aujourd'hui, 42, ce n'est pas que 42 Paris qui a été créé en 2013 à Paris grâce au joli fonds de Xavier Niel. Aujourd'hui, 42, c'est un réseau énorme d'écoles 42 partout dans le monde. Je pense qu'il y en a 35 ou 40 à Tokyo, à Rio, à Bogota ou à Madrid, même au Maroc, en Afrique, peu importe. On a deux, ouais. Et en fait, il y en a deux au Maroc. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'école 42, c'est que si tu veux y rentrer, tu dois passer deux tests. Un premier test qui dure 10 minutes, qui sont des tests un peu d'intelligence ou de QI, je sais pas comment décrire ça. Mais en fait, tout le monde peut le faire. Et tu as un deuxième test, je dirais même de logique, et tu as un deuxième test qui dure 2 heures. Et après ces deux tests-là, on te dit si oui ou non, tu as accepté pour faire la piscine. Et la piscine, en fait, c'est ton test d'entrée à l'école 42 qui va te permettre d'avoir une scolarité gratuite qui va durer entre 3 et 5 ans pour cette école-là. Un peu comme si tu passais 2 ans à faire une prépa pour ensuite intégrer une école de commerce. Sauf qu'à la fin, l'école de commerce, elle est gratuite. Et ce qui est intéressant avec 42 Silicon Valley, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de test pour y rentrer. Donc, en fait, c'est la seule. C'est la seule école 42 où tu n'as pas besoin de passer de test de logique avant. Donc ça, c'est le premier point intéressant, d'autant plus qu'elle est dans la Silicon Valley. Et le deuxième point intéressant, il y en a même un troisième, c'est qu'il y a un dortoir gratuit où tu peux loger pendant ta piscine. Donc tu n'as pas de frais de logement, ce qui est exceptionnel quand tu vois les prix des loyers à San Francisco. Donc tu peux faire ta piscine gratuitement, potentiellement rentrer à 42 gratuitement et être logé gratuitement. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça fait... Il y a des gens du monde entier qui viennent. Donc, tu as entre 30 et 35 nationalités à Sur une 40. promo de combien, à peu près? Enfin, sur une piscine de combien? Sur une piscine, je dirais de 300 personnes. Ouais, il y avait 300 personnes au début.
Non, Day 0, on était 720. Ah ouais. Day 1, on était 600. Fin de première semaine, 300. Fin de deuxième semaine, 250. On a Et fini quoi, à deux il renvoie des gens à chaque fois ou alors c'est des semaines. gens qui se renvoient eux-mêmes, enfin qui Non, non. En abandonnent? fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la piscine de l'école 42, c'est que c'est une expérience qui est forte et qui est dure et qui demande une charge mentale impressionnante. Enfin, faut savoir que H24, pendant 3 semaines, enfin 25, 26 jours, tu dois travailler sur des projets et donc tu dois travailler pendant 12, 13 heures tous les jours sur du code. Aïe. C'est ça qu'il faut savoir. Et que ça peut vite devenir super chiant pour quiconque qui se rend compte qu'il n'est pas venu pour faire ça. Et donc, tu as de plus en plus de gens qui commencent à faire la fête, qui commencent à sortir et qui commencent en fait à perdre le rythme et qui au final passent pas les examens. Parce qu'il y a des examens tous les vendredis de 4 heures et le dernier vendredi, c'est un examen de 8 heures. Donc, il faut le tenir. Et en fait, c'est assez dur parce que c'est du C. Donc, le langage de programmation à 42, c'est du C. Plus tard, pendant les cours normaux, tu feras d'autres langages, mais pour apprendre à coder, la piscine, c'est du C. Et ça, c'est un des plus vieux langages de programmation qui a été inventé dans les années 70 et c'est super détaillé. Par exemple, tu dois même allouer ta mémoire. Enfin, il y a plein de trucs que tu ne dois pas faire dans d'autres langages de programmation qui font que c'est chiant. Mais au final, si tu réussis, c'est exceptionnel. C'est génial et tu peux que être content parce que tu as fourni un effort et c'est super méritocratique parce que tu y es arrivé par toi-même. Et du coup, Simon, toi, c'était quoi ton regard un peu sur 42? Enfin, peut-être déjà, tu avais d'autres raisons à part 42 pour aller à Silicon Valley. Et au-delà de cette question, c'était quoi ton regard sur la piscine avec Mehdi? La raison principale, c'est que je voulais améliorer ce qu'on appelle sa sophistication technique. C'est ta capacité en fait à comprendre les enjeux tech, à comprendre comment fonctionne une équipe tech, sans pour autant être dev en fait. Ça arrivait après que j'ai passé 7 mois à travailler sur le lancement d'une fintech, Libéo, et où je passais beaucoup de temps du coup avec l'équipe tech qui a grandi au fur et à mesure et ça m'a vraiment intéressé. Et le deuxième angle, c'est aussi, je mentionnais vite fait les makers tout à l'heure, c'est la capacité à créer des produits tech ou même avec tous les outils no code qui existent. Pardon, mais du coup, c'était vraiment l'objectif d'améliorer cette capacité technique. Donc, je voulais aller voir de mes propres mains ce qui se passe quand on est face à un écran et qu'on doit absolument tout faire soi-même. Parce qu'en fait, quand tu codes, quand tu es dans le grand lab là-bas avec tous les Macs, c'est un petit peu comme si on avait des ordis qui datent de 1999. On doit faire tout. Enfin, il n'y a plus d'interface, il n'y a plus rien. Et on doit tout faire nous-mêmes. Ce qui veut dire que là, si tu me donnes ton Mac comme ça, tu me prends pour un hacker. Je vais changer toutes tes permissions, toutes tes couleurs. Enfin, tu vas péter un plomb. Parce qu'en fait, je sais maintenant juste manier un petit peu un ordinateur sans les bell box et Windows ou Mac. Mais du coup, ça, c'était vraiment la motivation de base. Sur place, il faut d'autres motivations. Sur place, il faut d'autres choses pour rester motivé que quelque chose d'un peu fumeux et grandiloquent. Du coup, là, le regard que je porte dessus, c'est que c'est vraiment très dur. Honnêtement, c'est le truc le plus dur que j'ai fait dans ma vie. Ouais, ça, je pense. Enfin, Sam aussi a fait une piscine d'ailleurs à Bruxelles. Je pense qu'on peut tous témoigner à quel point c'est difficile, mais à quel point ça vaut le coup. Pourquoi Hein, c'est difficile? parce que c'est tous les jours. Tous les jours, c'est des problèmes. C'est que des problèmes, la piscine. Et en fait, c'est que ce qui est assez frustrant, mais c'est la vie, hein, c'est que tu as des gens qui ont des vraies facilités pour le code. Je ne suis pas neuro, enfin, je suis pas neurologue, donc je pourrais pas te dire si c'est le cerveau ou logique ou autre. Et tu en as, bah, tu as des profils qui ont plus de difficultés. Enfin, donc, quand certains arrivent rien qu'à l'intuition et sans trop de l'extérieur à résoudre des problèmes en C, donc dans les exercices qu'on leur demande, d'autres ont vraiment une conception qui est, enfin, une façon de penser qui est moins axée code, moins logique, moins intuitive au niveau de la programmation, et c'est beaucoup plus dur, ce qui fait que, bah, ouais, exactement. Ce qui fait que quand certains peuvent exploser un exercice en 1 heure, bah, moi je pourrais prendre 3 heures Facile. et il faudrait qu'on me l'explique au moins 2 fois. Il suffit que je reste bloqué, truc, et c'est que ça pendant tout. Et c'est que ça pendant toute la piscine. Et le but Et en pédagogique, c'est que ces profils-là qui sont très bons, ils sont censés t'aider et collaborer pour que tu arrives à trouver la réponse.
quand tu fais ça un ou deux jours, c'est vivable. Mais quand tu fais ça 25 jours et que ça te prend de 8 h à 23 h, c'est très très chiant. Voilà. Mais c'est pour ça que ça vaut le coup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même si tu es très bon en code et que bah, tu comprends l'exercice, tu peux te tromper parce que tu n'as pas soit utilisé les bonnes points, soit tu n'as pas mis la point-virgule là où il fallait, soit tu as mis une indentation là où il ne fallait pas. Donc en fait, il faut être super rigoureux. Et en fait, ça rend fou parce que tu as pu passer 13 heures sur 4 exercices, mais au final, à cause de tout petit détail, tu as tout faux. Et donc, tu te tapes des zéros, enfin, combien de zéros on s'est tapé avec Simon juste parce que, enfin, on n'a pas mis les bons points-virgules ou les bons trucs là où il fallait. Il y a aussi un autre truc, ah, mais c'est vrai, il y a aussi un autre truc, c'est qu'en fait, le système de 42, c'est un système qui est peer-to-peer, où en fait, tu dois aider tes copains et eux aussi doivent t'aider. Donc en fait, pour te faire corriger tes exercices, tu dois corriger les autres. Donc, tu as un crédit de correction à avoir et à garder en permanence. Donc, ça t'oblige à ne pas rester devant ton ordi à travailler tout seul, mais à aller corriger les autres, les rencontrer, passer du temps avec eux et leur expliquer ce qui n'a pas été expliqué. Ou si toi-même, ça arrive que toi-même, tu ailles corriger quelqu'un, mais que toi-même, tu n'aies pas fait l'exercice correctement, ou que ce soit la personne qui doit t'expliquer à toi, le correcteur, comment bien faire l'exercice. Donc en fait, c'est un peu fucked up, mais c'est super cool. Vas-y, Et toi, c'est en anglais. en plus, Tu vas le non, faire avec un américain, voilà. mais. Avec 35 accents Mais en Ah fait, ouais. il y a une moitié de russophones là-bas, ça parle beaucoup russe, Silicon Valley. C'est vrai, il y a des gens du Kazakhstan, de Russie, d'Ukraine, enfin, il y a de tout, mais ça parle beaucoup russe. Beaucoup, beaucoup. Ok. Bon, bah, du coup, on a compris un peu ce que c'était la pédagogie 42, et puis on a vu un peu comment on fait pour trouver un stage et aller à Silicon Valley. On va maintenant un peu plus parler de bah, ce que vous avez vu, ce que vous avez apprécié, ce qui vous a aussi choqué. Du coup, Sam, j'aimerais bien savoir un peu toi, ton regard sur bah, déjà sur la région, mais Ah, aussi un peu sur le mindset, enfin l'état d'esprit des gens que tu as côtoyés, avec qui tu as parlé. ouais, bien sûr. Alors, bah, déjà, il faut savoir que ce n'est pas du tout un cliché quand on dit qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans la tech. C'est vraiment, je pense que sur la Silicon Valley, donc, quand on parle de la Silicon Valley, on peut plus parler de la Bay Area, donc la zone de la baie, qui est de San Francisco à San José. Donc, et du coup, sur cette zone-là, il y a 50% des gens qui bossent dans des entreprises qui sont liées à la technologie. Donc, c'est quand même énorme. Dans ces boîtes-là, bah, tu as des boîtes comme Facebook, comme PayPal, comme Uber, comme Twitter, comme Google, qui sont vraiment des hubs où il y a vraiment énormément de personnes qui travaillent dedans. Donc, ce n'est pas du tout rare de voir des gens qui bossent chez Google. Donc, c'est vraiment assez monnaie courante. Dans l'état d'esprit, c'est assez particulier parce que moi je pensais que tout le monde voulait lancer une start-up. C'est pas forcément vrai parce que, bah, comme je disais, c'est les gens qui travaillent dans la tech, donc c'est des salariés. Certes, ils sont très bien payés, ils ont peut-être un esprit entrepreneur, mais c'est pas. Enfin, on voit le cliché de San Francisco comme la ville où il y a que des mecs qui ont des boîtes. C'est avant tout des gens qui travaillent dans ces boîtes-là. Mais c'est vrai que le taux d'entrepreneur ou le taux de mecs qui est investisseur ou qui veulent lancer des side projects ou des startups est très élevé. Après, il faut savoir que certes, il y a aussi beaucoup de gens qui réussissent, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui échouent. Et enfin, sur le nombre de mecs qui veulent monter des projets et qui pitchent et qui font leur truc et qui lèvent de l'argent, c'est pas tant. Enfin, je veux dire. C'est pas tant la ruée vers l'or que ça, quoi. C'est bien quand tu gagnes, mais il y a aussi plein de gens qui perdent. Donc, bah, après, c'est pas grave pour eux parce qu'ils font du réseau, ils vont bosser dans les boîtes tech. Mais il n'y a pas tant d'entrepreneurs que ça, quoi. Après, c'est sûr que quand tu es dans un coffee shop, j'ai entendu deux, trois fois des mecs qui disaient, ouais, moi, je vais lever X millions avec X valuation. Ça arrive, quoi. C'est pas comme à Paris où il faut forcément aller dans le sentier pour entendre Oui, ça. c'est le chantier. C'est assez commun, voilà. Après, il y a plein d'autres gens qui sont pas liés à la tech, des artistes, des travailleurs de la Justement, ça c'est frappant, hein. Enfin, tous les homeless à San Francisco, enfin. Alors ça, J'allais venir.
un vrai sujet, c'est un vrai sujet. J'allais y venir. Pour juste terminer la mentalité, c'est vrai que si c'est une mentalité qui est quand même très tech, très entrepreneur, très libérale aussi, enfin, il faut le dire. Libertarienne même en fait, c'est un peu différent. Je mets pas de jugement dessus. Il y en a pour qui ça correspond et d'autres pour qui ça correspond pas. C'est pas du tout conservateur, mais c'est très pro-capitalisme. Enfin, même s'il y a un côté où on se dit ah, c'est un peu social, etc., c'est quand même l'argent à la fin, quoi. Enfin, il faut pas l'oublier. Certes, San Francisco, c'est une ville qui a une vraie histoire de la contre-culture, mais il faut savoir qu'il y a une très grosse gentrification et que, avant tout, que ça soit. Enfin, les gens ont beau être OK, pro-cannabis, pro-choice, très ouverts au niveau des questions LGBTQ. Ce qui reste, c'est quand même une mentalité très shark. Et c'est pas parce que les mecs sont en tongs et en sweat que c'est pas l'argent à la fin, quoi. Voilà. Donc très très argent. Et j'allais en venir. Il y a des très très grosses disparités au niveau des richesses. Et là, c'est vraiment assez impressionnant. Et ça peut aussi dégoûter. Moi, ça m'a pas dégoûté, mais ça fait réfléchir beaucoup parce que à San Francisco, pas dans la Silicon Valley, hein. Dans la Silicon Valley, c'est clean, c'est propre, ils ont tous leur Tesla et leur petite maison, mais c'est comme dans les films. À San Francisco, il y a un vrai problème. À San Francisco et à Oakland, parce que c'est la ville en face, il y a un vrai problème de sans-abri, où clairement, c'est la ville la plus dégueulasse que j'ai jamais vue. À Paris, on peut se dire qu'il y a beaucoup de SDF parce qu'ils demandent dans le métro ou autre, oui, mais à Paris, les gens ne se piquent pas en pleine rue, il n'y a pas des tentes dans les grandes artères ou sur les Champs-Élysées, il n'y a pas des tentes de SDF qui fument du crack. Voilà, quand je dis ça, je ne blâme pas du tout les SDF, hein. C'est une vraie crise qui est sanitaire, mais ils n'ont pas trouvé de problème, enfin, ils n'ont pas trouvé la solution. Et la gentrification, enfin les salaires élevés dans la tech font que bah, il y a de plus de personnes qui se font expulser. Et du coup, bah, dans SF, c'est pas rare de voir des gangs. Quand je dis des gangs, c'est des. Enfin, ils sont une cinquantaine, quoi. Il y a 50 SDF qui sont sur le trottoir et qui se piquent et qui font de la merde et qui boivent de l'alcool et qui Plein quittent contre ville, la vandalisme. ville. Et c'est super triste, en fait, parce que. Ouais. Enfin, là, je vais rentrer dans des détails ultra glauques. Mais à un moment, genre un mardi matin, je devais me lever plus tôt pour aller faire un truc administratif. Il était 7 heures du mat. J'étais dans le quartier tech. Donc, c'est comme si je me baladais dans le sentier. Et genre, je vois un grand-père sur un coin de rue qui sniffe un truc blanc en plein dans la rue à 7 heures du matin, un Ça nous mardi. est arrivé avec Simon C'est aussi, enfin, horrible. un souvenir C'est comme vraiment ça. horrible, quoi. Au niveau de la situation. Sanitaire, il y a vraiment des gros écarts de richesse et ça peut en choquer. Voilà. Après, si vous êtes à Fremont ou à Sunnyvale ou à Palo Alto ou à Stanford, vous verrez rien. Mais à San Francisco, faut le savoir. C'est un des trucs D'ailleurs, préférés. il y a un documentaire sur ça qui vient de sortir, je pense, il y a une ou deux semaines sur Enquête Exclusive, si vous voulez vraiment voir, c'est sur tous les sans-abri à San Francisco, et c'est exactement ce de quoi on parlait là en ce moment. Donc, allez voir si vous êtes plus intéressé. Parce qu'en fait, pour résumer San Francisco en une image, le dernier soir avec Mehdi, on voulait se faire plaisir après avoir bien cravaché. On va sur un des rooftops de San Francisco. Donc, bien cliché. Et on fait la file d'attente. Et en fait, donc là où on va, clairement, tu payes ton verre, genre 20 dollars sans 20 compte. dollars, Ouais, plus le sans. tips, plus la Voilà, taxe. c'est ça. Donc, laisse Ça, c'est tomber, dangereux, genre. ça. Les tips et les taxes, c'est dangereux. Voilà, tu mets ton smic dans ta soirée. Et en fait, au coin en face, enfin, vraiment, c'est un carrefour. Et à la rue en face, il y a 30 mecs qui sont en train de se piquer au crack. Et ça cohabite sans problème, tous les jours. Ah, les gens n'en ont rien à faire. C'est vraiment. Enfin, en fait, t'es tellement habitué à voir la misère que t'en deviens insensible, quoi. Donc, après, je tiens à souligner, c'est pas tous les quartiers de San Francisco qui ont ça. T'as plein de quartiers type la Marina, enfin, ou les coins vers la mer, où c'est pas du tout ça. Enfin, c'est des maisons. South Market ou Mais, les coins plus dans le centre, quand il y a plus d'appart que de maisons, il y a ces vrais problèmes de santé publique. C'est ça, mais c'est simplement dû à un boom de l'immobilier, dû au fait que le salaire minimum 1 000 dollars l'année. Et pour revenir sur des choses un peu plus roses,
Et t'as un coup de cœur, toi, Simon, enfin des trucs que tu t'es dit, waouh, putain. Ah ouais. Nice Bridge, c'est un lieu moi, qui me faisait fantasmer depuis quelques années déjà. C'est le premier hackerspace qu'il y a eu probablement au monde. C'est un endroit en fait qui est géré, donc c'est anarchiste. C'est un endroit où il y a beaucoup de devs ou d'artisans qui viennent. Et en fait, c'est juste un lieu dédié à la création. Donc c'est gratuit. À la limite, on peut laisser un petit tips à la fin qui sert à faire tourner le lieu. Donc c'est totalement autogéré et c'est un endroit où ils ont créé leur propre réalité virtuelle. Ils ont, enfin, en fait, il faut aller voir. Il y a une très bonne vidéo sur YouTube qui raconte ça. Mais c'est un lieu où on a rencontré. Hackerspace, c'est du coup le concept et l'endroit s'appelle Noise Bridge. Nice Bridge. Hackerspace, effectivement, il y a tous les hackerspaces qui sont recensés maintenant. En France, on a les Fab Labs qui sont arrivés. Donc c'est un endroit en fait. Où il y a, enfin, à Noise Bridge, en tout cas, il y a l'équivalent d'une usine collaborative aussi. Donc, il y a imprimante 3D, il y a des fraiseuses, il y a des tourneuses, il y a tout Oui, ce c'est qui le tourne. Maker Sub de SF. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, Et c'est en mode. géré indépendamment par tout le monde, quoi. Il y a un esprit de communauté où chacun peut être responsable, est un système de membres et c'est eux qui gèrent. Il n'y a pas une autorité centrale qui gère les speeches, quoi. Ouais, c'est un peu cause. C'est un peu le cause de la tech. Mais avec Mehdi, on avait été choqués un jour. Il y a une gamine qui est venue, elle avait même pas 12 ans. Elle parlait de projet, on comprenait pas ce Ah qu'elle oui. disait. Avec son père, il nous a parlé de son projet. On lui a dit, écoute, on va arrêter 42, on va arrêter le M, fais tes bails, drop the mic, on n'a plus rien à faire. Un peu d'énergie. Elle travaillait pour, je sais plus, c'était utiliser la condensation d'un truc, mais laisse tomber, enfin, haut niveau, haut Ouais, c'est niveau. vrai que pour faire la connexion, les gens sont très très ambitieux. Enfin, il n'y a aucune limite à l'ambition. Ah Et ça, c'est vraiment un plus. Moi, je sais que parfois en France, je fais la blague où quand on me demande ce que je veux être, je dis que je veux être milliardaire. Et je vois la tête des ouais. gens qui changent. Et on peut... quand je dis ça aux US, c'est normal, quoi. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Pour eux, C'est c'est... quoi ton plan? Ouais, voilà, exactement. Tu peux dire, bah voilà, je vais lancer un avion supersonique sponsorisé par Ah mais parce que c'est OK, quoi, tu vois. Moi, je sais que mon collègue, pour revenir à lui... il était en train de bosser là sur un nouveau projet, un truc de climatisation, enfin le faire le Apple de la clim. Donc, c'est normal quoi. Et chacun a son projet, ça marche ou ça marche pas, mais l'ambition elle est sans limite. Et c'est aussi marrant parce que, et ça, et je vois ça d'un côté positif, les gens dans la Silicon Valley, ils se voient quand même pas mal comme les sauveurs du monde. Ah ouais. Ouais, bah Oui, bien carrément. sûr. Pas du leurre. Hein? Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc, comme les sauveurs du capitalisme, je ne sais pas exactement. Mais du coup, il y a quand même pas mal de... Il y a des vrais projets qui se lancent et il y a une vraie ambition. Et surtout, cette ambition, elle n'est pas juste bullshit, c'est parce qu'il y a des mecs derrière qui sont prêts à financer aussi. Et c'est ça qui fait la donne, c'est que je disais que je n'avais pas vu tant d'entrepreneurs que ça par rapport à ce que j'imaginais. Par contre, il y a énormément de financiers. Ça, on n'y pense pas parce que ce n'est pas les mecs qui font du M&A en costard à la défense, mais il y a énormément de business angels, d'investisseurs, de venture capitalistes, de mecs qui ont des family office. Et ça, c'est enfin, l'argent, il est partout. Il y Ah a plus d'argent que de projets. Bon, je parle bien avant la crise du Covid-19. Hein. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi la situation. Mais ce qui alimente cette ambition et ce qui fait que cette ambition elle se réalise, c'est qu'il y a vraiment, c'est que, qu'il y a, enfin, je pense que si la Silicon Valley était un pays, ça serait, ça serait ouais. aussi riche que le. C'est le cinquième PIB, c'est le cinquième PIB mondial. Cinquième PIB du monde. La Californie, ça. C'est avant la France. La Douzième, Californie, c'est douzième. avant la France. Je Et la crois. Silicon Valley, ça serait le 12e. Et en termes de revenus, ça serait aussi riche que que les habitants du Qatar ou du Luxembourg, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment énormément d'argent. Et ça, bah, ça peut être intéressant pour lancer des projets. Je digresse un peu, mais pour les Français qui sont, enfin, pour les gens qui nous regardent, qui sont intéressés par lancer un projet là-bas, le mieux, il y a très, 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 très peu de Français qui lancent des projets from scratch, donc à partir de zéro, en Californie. En général, c'est soit des gens qui travaillent depuis 5 ans,
soit des gens qui ont déjà réussi en France et qui implantent une de leurs antennes dans la Silicon Valley, mais il n'y a pas de mec français, ou étranger en tout cas, qui arrive et qui monte un projet de zéro. C'est très très rare, et ça met plus de temps qu'on le pense, parce qu'il y a l'argent, il y a le réseau, mais surtout, ça on n'y pense pas, ça va devenir de plus en plus dur, il y a le visa. Voilà. Et le visa, bah, ça fait que c'est compliqué de si on veut vraiment vouloir, si on veut à la fin s'installer et vivre, il faut un visa, quoi. Et on n'arrive pas comme ça dans le pays À la loterie. en mode touriste. Une Ah, mais femme. c'est la loterie. C'est la Je meilleure sais pas. stratégie. La loterie ou la femme. Mais en tout cas, voilà, c'est ça un peu la technique. Il faut soit travailler, soit réussir en France pour ensuite aller vivre, quoi. On te dit quoi, Émilie, en tout cas? t'as dit quoi? Non, je disais le mieux, c'est de, si on veut monter une boîte et pas juste aller travailler, vaut mieux vivre là-bas 3 à 5 ans ou alors réussir une boîte en France et ensuite l'implanter en Californie, quoi. Voilà. Ok. Mais dis, toi, t'as peut-être un coup de cœur différent ou un truc qui t'a impressionné dont tu aimerais nous parler? Ouais, grave. Enfin, Et moi. il y a une autre question, peut-être que ça peut être complémentaire de ma question. C'est aussi un peu, je sais pas, vous avez fait un peu des fêtes avec des gens de Stanford, Berkeley et tout, voir aussi un peu c'est quoi leur état d'esprit. Est-ce qu'ils sont si différents de nous? Est-ce que c'est des Je personnes pense que Samuel qui va pouvoir Sam, y ouais, est-ce que vous répondre. étiez comme ouais. Déjà, il faut Ah savoir non, je pense. que ouais, donc moi, j'ai pas mal fait la fête dans les universités autour, donc c'est Stanford et Berkeley notamment. Déjà, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la tech là-bas. Enfin, je tiens à préciser, il y a plein de gens qui ne sont pas très tech, mais qui sont là-bas parce que bah, c'est une des meilleures facs de la planète. Donc déjà ça. De deux, les étudiants, ils sont globalement comme nous, hein. Enfin, c'est pas, ils ont les mêmes problématiques. C'est juste que c'est des gens qui soit avaient des relations familiales qui étaient déjà dans ces facs. Parce que je tiens à préciser, pour entrer à Stanford, certes, il faut avoir des bonnes notes, mais pas que, il faut avoir le capital, parce que c'est entre 50 et 60 000 euros l'année. Et c'est mieux s'il y a quelqu'un de la famille qui a déjà fait Stanford avant. Donc ça, ce n'est pas propre à Stanford, mais c'est ce qu'on appelle les legacy, qui sont que dans les facs américaines, il y a entre 5 et 20 % de personnes qui rentrent parce qu'elles ont un membre de leur famille proche qui a fait cette fac-là. Et du coup, ça peut sembler ouf pour nous Français qui sont habitués à la méritocratie prépa. Et des concours et un truc très républicain. Aux US, ils n'en ont rien à faire. Mais du coup, pour revenir aux élèves, c'est des gens ouais, qui sont comme nous, sauf que après, ça reste quand même des intellos. Donc, c'est des gens qui ont des excellents résultats. Et ce n'est pas tant la fête que ça, quoi. Enfin, Stanford, c'est une fac de gens qui bossent beaucoup parce que c'est la compétition pour avoir des bonnes notes et pour accéder aux bourses et pour accéder au réseau et pour accéder au master et au test. Donc, c'est beaucoup. Enfin, les gens ont l'air d'être chill à fumer des joints, du vélo Ouais. sur le campus, mais c'est quand même bien la compète. Enfin, ça, ils ne le montrent pas trop, mais ça cravache fort. Et après, bon, bah voilà, quoi, c'est des étudiants Tu veux comme dire nous. que c'est pas un passeport que d'avoir déjà Berkeley sur son CV là-bas? Alors, ça aide beaucoup, mais les Américains, ils ont quelque chose Rebondir dessus enfin, après. je veux dire, ça aide, c'est un vrai plus, mais tout dépend après. C'était à Stanford en études de communication ou c'était à Stanford en computer science. Tu vois, tu vas pas faire la même chose, quoi. Et Mais c'est du coup. pareil à Berkeley. Mais ça débloque quand même énormément de trucs. Après, bah voilà quoi. C'est un coût, c'est un choix, et c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, quand tu discutes avec eux ou quand tu fais la fête avec eux, bah voilà, c'est comme si tu disais, est-ce que les gens de Polytechnique ils sont différents? Bon, bah quand t'en connais, tu vois que en fait non. C'est pareil pour eux, quoi. C'est juste que bah, ils ont plus de capital et plus de réseau de base, quoi. Voilà. Et en fait, ce qui était cool à 42, c'est que c'était, enfin, je me permets de rebondir dessus, c'est que c'était à 30 minutes de bus de Stanford. Donc en fait, il y avait un bus direct de 42 à Stanford et j'ai eu cette opportunité de visiter Stanford en tant que prospective student. Donc en fait,
Si vous voulez aller juste visiter comme ça, vous pouvez. Et en fait, la nana qui nous a fait le tour, c'était une étudiante de Stanford qui était en dernière année de bachelor. Et elle nous a raconté des anecdotes géniales sur sa vie. En fait, on voit à quel point l'environnement est excellentissime pour créer des projets ou pour juste faire des choses ouf. Enfin, un jour, elle était sur le campus, elle n'avait rien à faire le soir. Elle rentrait dans le bâtiment de physique et en bas, il y avait un prof qui était en train d'écrire sa thèse ou quoi, et elle discutait avec lui. Il lui demande de lui envoyer un email parce qu'elle était intéressée, et elle ne savait pas enfin, elle savait pas qui c'était en particulier. Elle se rend compte que c'est un prix Nobel de physique, et le mec lui a demandé de devenir son TA, qui est Teaching Assistant. Donc on voit à quel point être à Stanford, ça crée des opportunités de malade, en fait. Et c'est ça qui est fou. Il y a des centaines d'histoires comme ça où je te rends compte que bah, il y a des mecs super smart qui viennent et c'est des mecs qui prennent le temps d'être avec toi et qui sont là sur le campus. Et en fait, quand tu vois que Google, ça a été créé sur le campus ou que HP, enfin, Hewlett et Packard ont étudié là-bas, tu vois le level du campus et de l'université. Mais pour répondre à ta question, il y a un truc qui m'a aussi marqué enfin, dans la Silicon Valley, c'est. Et je pense le climat et la manière dont vivent les gens. Non, mais ça, c'est vrai. Enfin, là-bas, les parcs sont protégés. Enfin, avec Simon, on a eu l'occasion d'aller visiter des parcs là-bas. Enfin, c'est juste génialissime la manière dont ils protègent. Bon, on ne va pas parler des États-Unis comme protecteurs de la nature ou quoi, mais enfin, les parcs aux US, c'est juste dingue. On a eu l'occasion de voyager un peu et c'était vraiment assez, assez cool. Et si j'ai une recommandation de ville pour vous, c'est Carmel by the Sea. Si un jour vous allez aux US et que vous voulez aller dans un endroit où ça fait du yoga, de la méditation et ça kiffe à la plage, un 1er janvier, Carmel by the Sea. Ok, très cool. Juste pour répondre Ouais, là-dessus, c'est quelque chose que Sam et Mehdi ont dit. En fait, l'intérêt principal d'aller là-bas, c'est en fait le futur, il est déjà présent, il est juste pas également distribué. Et là-bas, vous allez forcément faire une rencontre qui va vous débloquer quelque chose. C'est évident et presque obligatoire si vous faites un peu l'effort. Et ça, c'est un avantage comparatif majeur de la Californie, de la Silicon Valley en soi. Donc, Tu penses que c'est un puits d'inspiration en termes d'idées? Bah en fait, c'est là-bas que tu as le plus d'argent et le plus de talent dans la tech. Donc, forcément, en fait, tu as chance de rencontrer soit quelqu'un qui va te filer de l'oseille, soit quelqu'un qui va trouver un job, qui va ouais, te filer une idée, ou peu importe, bah, elle est exponentielle par rapport à même à Paris. Le niveau des entrepreneurs est hyper élevé, le niveau de réflexion est hyper élevé. Tu as pas mal de personnes qui gravitent autour de la tech, qui ont fait la philosophie avant, en fait, et qui écrivent, et qui bah, en fait, sont dans le coin. Et le niveau des personnes que tu rencontres dans des événements, dans des comptes, enfin, c'est 20 fois 10. Et du coup, les résultats sont fois 1000 en fait, par rapport à ce qu'on peut avoir à Paris. Donc, ça, c'est l'avantage comparatif d'être là-bas. Moi, j'ai un exemple. Par exemple, mon dernier jour à SF, donc après ma piscine, je prenais un vol SF LA et à côté de moi, il y avait un mec qui était en train de tweeter. On discute rapidement et en fait, je me rends compte que c'est un. Enfin, dans le vol, on discute pendant 1 heure et je me rends compte que c'est un serial entrepreneur. Et le mec me met en contact avec un entrepreneur français qui est basé à Paris. J'ai eu un café avec lui et en fait, je te rends compte à quel point, genre, de toutes petites conversations dans des avions comme ça, bah, les chances pour avoir des rendez-vous, des intros sont exponentielles. Enfin, c'est. Et ça, tu l'as pas à Paris, en fait, non. Et voilà, c'est ça la diff à la fin, c'est que ça, tu peux pas l'avoir à Paris, quoi. Et les mecs comme ça, comme Mehdi a rencontré, bah, il y en a vraiment des milliers, quoi. C'est pas genre un cas particulier, c'est vraiment, t'en as des milliers. Bah voilà, hein. Je parlais de mon coloc, mais il y a plein d'autres mecs qui peuvent te présenter très facilement. Et même si ça va pas, enfin, même si une conversation va peut-être pas tout changer, si tu fais 100 fois ça, c'est sûr que tu as ce que tu veux à la fin. Voilà. Ok, génial. Bah, écoutez, c'est très passionnant. On va peut-être prendre des questions juste après. Donc, on va se laisser le temps. Je vais poser une dernière question à chacun d'entre vous pour conclure. La question, c'est finalement, ce voyage, est-ce qu'il a changé quelque chose en vous? Est-ce que ça a peut-être créé des opportunités? Ça a créé des vocations? Est-ce que vous vous voyez faire quelque chose que vous ne vous serez peut-être pas vu faire avant d'aller à la Silicon Valley? Donc, c'est quoi un peu votre futur, vos projets à venir? Et voilà, pour conclure.
Vas-y, je vous laisse commencer. Ok. Moi, un truc sur lequel il y a une différence évidente, l'argent. Pardon, l'argent. Et le niveau d'ambition. Je pense que j'étais déjà assez ambitieux. Et oui, avoir de l'argent. Mais en fait, c'est tellement désensibilisant à un petit peu cette chape de plomb moral qu'on a en France sur l'oseille. Et vas-y, gagner de l'argent, c'est une très bonne chose. Il n'y a aucun jugement moral derrière. C'est vraiment ça, moi, c'est un truc où ça a changé mon rapport à l'argent de fou. Également, je dirais sur le fait que les startups vont certainement pas changer le monde et que donc il va falloir passer par d'autres moyens. Ça, c'est. Et après, en revanche, vraiment sur. Moi, j'ai eu une grosse inspiration du coup, parce que mon rêve entrepreneurial, c'est de créer un lieu qui soit une sorte de hackerspace, donc un endroit, on va dire, dédié à la création, à l'art, à la technologie et enraciné dans un territoire. Et là-bas, ils sont hyper forts pour l'avoir fait. Et ça m'a beaucoup inspiré de voir du coup différents types de lieux qui sont gérés de manière anarchique, où tu vois toujours l'influence de la contre-culture. Donc, vraiment, un des grands messages, c'est fais de l'oseille, sois indépendant et juste assume. Et ça, vraiment, c'est hyper prégnant là-bas. Moi, ça m'a beaucoup marqué en tout cas. Moi, vas-y, mais vas-y. Non, non, moi je pensais plutôt par rapport à l'argent, en fait, c'est ce que tu disais aussi. Enfin, là-bas, tout est tellement lié à l'argent qu'en fait, moi, ça m'a un peu dégoûté des États-Unis. Ouais. Et enfin, quand tu vois à quel point tu es sollicité pour consommer, à quel point tu es. Mais ça, c'est pas que la Silicon Valley. J'ai pu voyager un peu aux États-Unis après. Enfin, à quel point tout est lié à l'argent, toutes tes sources de consommation et à quel point tu sens qu'en fait, ben, tu n'as plus contrôle de toi-même et qu'en fait, tu dois lâcher des tips, tu dois lâcher des taxes, etc. Et que ça devient vite cher pour rien. Enfin, juste par exemple, le supermarché avec Simon, c'était, enfin, ça, c'était une blague pour vous dire à quel point on partait. Enfin, et, non, je pense surtout ce qui m'a le plus surpris, c'était le rapport à l'alimentation. Enfin, quand tu vas aux US, enfin, tu peux très bien manger, mais il faut beaucoup d'argent, je pense. Quand tu veux manger dans un restaurant normal à Paris, ben, tu en as pour peut-être 15, 16, 17 euros max si tu manges normalement. Aux US, un passage au restaurant, ben, ça va te coûter enfin, 30, 35, 40 $ avec des tips et des taxes, quoi. Et même quand tu vas faire tes courses, quand tu vois pourquoi est-ce que les fast-food marchent autant, c'est parce que je te rends compte que la qualité de la, enfin, une bonne qualité de nourriture qui est manger des légumes, manger des fruits, etc., bah, ça coûte super cher. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que tu te rends compte à quel point tu as de la chance en France. Enfin, après, je suis sûr que si tu as plus les moyens, tu peux bien vivre aux US. Mais en l'occurrence, quand tu es étudiant, bah, c'est un peu compliqué. La qualité de la vie, elle est médiocre si on n'est pas Ah riche. ouais, c'est ça le truc. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas d'entre-deux, Avoir en les fait. moyens en fait. Ah ouais, et quand on dit faut avoir les moyens, si on est à San Francisco, le C'est minimum minimum, c'est 100 000. 100 000. 100 000 l'année, Minimum le par an, salaire ouais. minimum, c'est un SMIC là-bas. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et moi, je terminerai du coup. Bah ouais, enfin, hein, bah, je me suis pris une grosse claque. Enfin, c'était incroyable. Est-ce que ça m'a changé? Je sais pas. Je pense pas d'ailleurs. Je pense que ça m'a renforcé dans ce que je suis. Après, ça m'a surtout fait relativiser sur plein de trucs, sur le fait que bah, c'était impossible d'aller à San Francisco et de réussir. C'est beaucoup plus faisable qu'on le pense une fois qu'on y est, parce qu'il y a plein de Français qui ont réussi. Et en France, on a tendance à se dire qu'il faut faire HEC ou Polytechnique pour faire des trucs de ouf ou avoir un super poste. Et bah, il y a plein de Français qui n'ont pas forcément ces diplômes-là et qui ont réussi aux US et dans la Silicon Valley. Et ça montre que bah voilà, faut juste prendre son temps, faire les bonnes connexions, être sympa, être ouvert aux opportunités. Et ce que j'ai vraiment kiffé, et j'ai vraiment envie d'y retourner, mais je pense que je vais un peu attendre, c'est le confort de vie, quoi. Voilà, hein. Enfin, vraiment, en Californie, moi je suis végétarien, enfin j'étais végétarien, enfin je suis devenu vegan. Là-bas, j'ai aucun souci pour manger. Enfin, je veux dire, la question ne se pose même pas. T'as que des options véganes partout. Ils sont vraiment très respectueux au niveau des habitudes alimentaires. Pareil au niveau de la religion aussi, on dirait pas, mais enfin, ça c'est plus les US en général. Mais si vous avez envie de pratiquer votre religion, de porter ce qu'on appelle en France un signe ostentatoire, ou même bah, d'en être fier et de rejoindre des groupes, en France, bon, bah, on a un petit côté état laïque. Aux US, ils n'en ont rien à faire. Et il y a vraiment ce truc-là de communauté
qui est vraiment cool. Voilà. Et personnellement, j'aimerais bien y retourner. Enfin, je voulais à la base y retourner le plus vite possible, mais Ça commence à me manquer aussi un peu. avec la situation actuelle, mieux vaut, pour ceux qui ont envie d'y aller le plus vite possible, mieux vaut attendre un peu, parce qu'on ne sait même pas si Trump va repasser ou pas. Là, ils sont dans une situation sanitaire qui est catastrophique, enfin, ils n'arrivent à rien gérer. Les États, ils ont rouvert, donc je ne vous dis même pas le bordel que ça va être. Ils ont toujours pas terminé leur pic de contamination. Et il y a déjà des États qui ont rouvert, enfin, qui ont fini leur quarantaine. Donc voilà, moi je compte y retourner. Après, ça m'a surtout donné envie de faire un MBA, enfin, en tout cas oh, sorry. Ça m'a surtout donné envie de faire un MBA, enfin, ou d'y revenir, mais genre dans 3 ou 5 ans, quoi. Mais pas tout de suite parce que faut de l'argent. Voilà. Ok, bah écoutez, génial, merci pour bah, ces récits, ces témoignages qui, j'espère, permettront de donner quelques éclaircissements à ceux qui nous écoutaient. En tout cas, moi, N'hésitez c'était pas à nous ma première. contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Enfin, on est disponible par Facebook si vous voulez nous MP ou quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. L'idée même de l'événement, c'est de faire en sorte que ça en inspire certains et que ça puisse mettre en relation d'autres qui sont vraiment intéressés. Alors, juste N'hésitez pour pas à te dire. poser vos questions. Je vais commencer à les lire, mais n'hésitez pas à poser vos questions entre-temps. Juste en deux-deux, on n'est pas, enfin, j'étais pas tout seul à être parti, moi, dans la Silicon Valley. Il y a aussi Élise Champomier, qui est en 4A à la Corpo pour ceux de l'EM qui travaillaient à Business France. Et il y a Anaïs Messager, qui est en 2A aussi à l'EM, qui est au BDA, et elle qui était en plein cœur de la Silicon Valley. Et elle bossait à Plug and Play, qui est un incubateur, accélérateur, investisseur. Et elle a bossé à Sunnyvale, donc la ville de Google. Donc, n'hésitez pas à les DM, elles pourront vous aider aussi. Elles ont vécu aussi une expérience à la Californie, quoi. Voilà. Et sur ce sujet-là, il y a un groupe aussi qui s'appelle TechEM Lyon, il me semble, tenu Ouais, par. il y a deux groupes. Alors, le premier, c'est EM Lyon Jobs in Tech. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les grosses entreprises au process assez spécifique. Donc, les grosses boîtes tech type GAFA. C'est plutôt bien animé. Il y a des gens qui ont fait pas mal de trucs. Ils ont recensé un peu les alumni qui bossent dans les grosses boîtes tech. Il y a pas mal de ressources. Et puis l'autre groupe qui s'appelle EM Lyon-6 Entrepreneuriat, Innovation et Startup. Lui, c'est plus un groupe dédié à tout ce qui relève de l'entrepreneuriat, des startups. Alors on pourrait dire que Google, c'est une startup, mais en fait, c'était une startup. Là, c'est pour entrer à Google, c'est pas comme quand tu rentres chez, je sais pas, Welcome to the Jungle ou autre. Donc là, l'idée, c'est plus de partager des conseils, de partager des bons plans, etc. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ces deux groupes-là pour ceux qui sont à l'EM Lyon. Alors, je prends les questions. J'espère qu'il y a des trucs marrants. Ça a parlé de weed, je crois. Oh là là, les Ah, bah magasins là, weed là-bas, c'est ah, il y des a ce Apple qu'il faut, Store. hein, Non, mais exactement. c'est des bijouteries de luxe pour un Je truc. vous ai tendu une perche, là. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ils font C'est. des trucs, c'est la technologie, c'est vraiment la technologie Ah, et le mais oui, mais cannabis en attends. même temps, quoi. On peut montrer, Je rentre peut-être. dans un coffee shop, ça l'appelle ça, c'est vrai. Attends, tu veux montrer de la drogue en direct là? C'est génial, non? On va pas le Non, faire. non, non, montre pas. Mais en fait, Il est malade. ils ont des sortes de stylos. Donc, ça, c'est un stylo normal, mais en fait, tout ça Ah, fait. ok. C'est sur de la wax, en fait. Une sorte de crème Du coup. où on peut se mettre ce genre de choses dans nos poumons. Sans tabac, sans rien. Ok. Extrêmement sain. Du Et coup, c'est ça, quoi les questions, Hamza? en Californie. Ouais, en Californie. Il y a une question, c'était quoi votre niveau? Est-ce que vous saviez coder avant d'aller à 42? Alors, on ne sait toujours pas coder. Un peu Non, meilleur. franchement, nous, on a essayé avec Simon de faire quelques cours en ligne avant pour se préparer. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que je crois profondément que tu peux arriver avec zéro background et réussir. Enfin, il y en a plein qui l'ont fait. D'accord. Alors, niveau Il y en s'il a vous qui l'ont plaît. fait. Mais il faut quand même s'y préparer. Il y en a qui l'ont fait. Mais je pense qu'il faut quand même s'y Est-ce préparer. que vous avez des sites ou des conseils à donner pour se préparer?
Open Classroom, le C de Open Classroom, c'est un bon truc. Il y a aussi des vidéos, il y a France IOI. Voilà, c'est deux trucs où tu as des cours de C qui sont vraiment pas mal. Moi, ça m'a aidé et ça m'aide encore parce que je pense que j'ai fait celle à Bruxelles en Belgique, mais je vais sûrement celle, enfin, faire celle de 42, je ne sais pas quand, quand la situation sera résolue en Californie au niveau du virus. Et France IOI et Open Classroom, c'est deux très bons sites, donc n'hésitez pas à bombarder les deux parcours et ça vous aide vraiment pour la piscine. Après, ça ne vous fait pas admis, mais ça vous, enfin, au moins, vous n'êtes pas en galère dès le début, quoi. Voilà. Ouais, alors un, Ah, deux trucs aussi. Il y a vraiment les 2 premiers jours, en fait, on fait pas du C, on fait ce qu'on appelle du shell. Donc c'est vraiment de la ligne de commande, genre des basiques des basiques. Mais le truc, c'est qu'on peut vite se sentir perdu si on n'arrive pas à faire ça, et c'est extrêmement déprimant. Donc je vous incite à bien mettre l'accent là-dessus aussi. Et en sûr, ouais. fait, aller sur GitHub. GitHub, c'est le gros forum du code. Il y a tous les exercices de la piscine qui y sont. Ok, ce sera. Enfin, si vous n'avez jamais codé, ça va être du chinois, mais si vous avez fait le cours de C, par exemple, de Open Classroom, peut-être essayer de vous préparer avec ça. Moi, c'est le conseil que je me donnerais si je devais refaire une piscine là, c'est prendre les exos et galérer dessus avant d'aller à la piscine. Et sinon, il y a un. Mais en fait, sinon, le meilleur truc pour réussir à la piscine, c'est de se faire des pâtes. C'est. Ouais. C'est. C'est un groupe avec lequel tu bosses. Enfin, Attends, de se faire des quand quoi, tu j'ai arrives, tu sais pas. avec quoi. Ah, Faire des un crew. potes. Ah ouais, faire un crew, c'est Ouais. trop important. Pour Ah rester oui. motivé, pour qu'on nous aide, c'est trop important. Et Priorité. il y a autre chose, en fait, il faut faire la distinction entre ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut faire la distinction entre piscine cloisonnée et piscine décloisonnée. Une piscine cloisonnée, c'est une piscine où chaque jour, tu as une page d'exercice. Et en fait, que tu finisses ou pas les exercices ce premier jour, bah, tu t'en fous parce que le jour d'après, tu passes au jour 2 et le jour d'après au jour 3. Alors que dans une piscine décloisonnée, si tu finis pas les exercices du premier jour, bah, le deuxième, le troisième, tu peux toujours continuer sur ces exercices-là. Et Par c'est quoi? exemple, C'est des périodes différentes où il y a piscine cloisonnée et décloisonnée ou c'est ça dépend des écoles. des lieux. Des Ah, écoles. ça dépend des lieux. Par Et exemple, à à Bruxelles, Paris? c'était décloisonné, et à 42 Silicon Valley, c'était cloisonné. Ok. Ce qui fait qu'en fait, tu peux rapidement avancer sur d'autres thématiques, mais ce qui fait que pour autant, tu n'as pas acquis les bases d'un cours précédent. Ok, Ça, c'est ça. important à comprendre, en fait, dans le code, c'est vraiment par palier. C'est, tu comprends pas, tu comprends pas, hop, tu as compris, et c'est une évidence. Et du coup, le fait que ce soit cloisonné à 42, ça rend ça compliqué parce qu'il y a forcément des concepts qui passent à la trappe quand on n'a pas codé. Donc oui, c'est possible d'y arriver. Ça a demandé un gros engagement. Si on a un parcours en maths avant, etc., ça va aider. C'est vraiment mieux, ouais. Mais sinon, mais essayez quand même. Puis dans tous les cas, même si vous n'avez pas la piscine, Mais ça vous vaut faire du grave le réseau. coup. Ouais, tu fais du réseau, tu te rencontres des Non, potes. Hein, genre, c'est enfin, fou. c'est génial. Nous, les week-ends, on allait. Enfin, ce qui était Voilà. trop cool avec Simon, on louait des maisons avec genre une quinzaine de personnes. On se faisait des week-ends dans des fat baraques à SF. C'était génial. Et le lundi, on revenait le dimanche après, on continuait à coder et ainsi de suite. Enfin, c'était OK. excellent. Et aussi, un autre truc que je voulais dire, c'est que Une il faut question. passer du temps dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens que. Ah, non, non, juste, je dis ça et après on répond aux questions. C'est juste que il faut faire un certain nombre d'heures minimum par jour. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste arriver, faire 3 heures, le lendemain 12 heures, le lendemain 4 heures, il faut que tu sois régulier. Et je sais qu'il y a des gens qui venaient à 42 pour rien faire et juste allumer leur ordi pour faire genre, ils font 10, 11 heures par jour, mais en fait, ils ne font rien, quoi. Donc en fait, ça peut te dépénaliser si tu ne fais pas un certain nombre d'heures. De pénaliser. Ok. Ça peut te pénaliser, pardon. Du coup, question existentielle posée par Karl. Vous êtes plutôt tacos Burritos, mon pote. Le Il se trouve qu'il y a une très grosse communauté latino en Californie. Donc, on pense surtout que c'est à San Diego ou à LA, mais il y en a aussi à San Francisco, du coup, donc dans le nord. Moi, j'étais à Mission District, qui était le quartier latino. temple. Et c'est vrai que les burritos, franchement, en France, ils sont dégueulasses. Enfin, qu'on soit clair, c'est pas du tout bon, c'est cher. En Californie, tu as ton burritos pour 5-6 balles. Tu peux avoir l'option que tu veux, vegan ou guacamole ou viande
le truc. Les chips, elles sont gratuites, qu'on mette les choses au clair. Et surtout, ça a les mêmes horaires que les kebabs en France. Voilà, donc c'est de 11h à 3h du mat. Les mecs, ils sont sympas. Enfin, ils t'arrivent et tu peux te servir en sauce. Il y a une petite ambiance latino-mexicaine. Donc voilà. Ah, il y a des matchs de foot Club América versus Mexico, enfin, à 2h du mat avec des Mexicains, j'ai des souvenirs. Enfin, c'est exceptionnel. Enfin, La sinon, corona n'est pas je peux chère. donner mon adresse de burrito si vous voulez. Alors, question pour Sam en particulier. Tu n'oublieras pas que c'est un enregistrement, donc ça va être rediffusé. C'était comment les amours à San Francisco? Bah, ouais. La merde. Attends, enfin, mais je n'allais pas déraper. En vrai, déjà, les Américains, ils marchent beaucoup sur les apps. Enfin, vraiment, hein, quand on parle de la tech, c'est la tech dans les rapports sociaux à droite à gauche. Donc, c'est beaucoup sur les apps. Donc, tu as Tinder, qu'on connaît tous. Tu as Bumble aussi, ça marche très bien parce que Bumble, c'est les filles qui envoient un message en premier. Et comme à San Francisco et en Californie, ils sont très progressistes sur le droit des femmes. Bumble, ça marche bien. Et sinon, tu as une app qui est que américaine, c'est Hinge. Donc voilà, c'est aussi une interface. On dirait que c'est Revolut, ou c'est le Apple un peu du dating, quoi. Donc c'est une interface très épurée. Et sinon, Ah, bah, anglais. les amours à San Francisco, c'est très international, hein. En vrai, il y a des Américains, il y a des Français, il y a des gens qui viennent d'Amérique du Sud, d'Europe. Donc il y en a pour tous les goûts, entre guillemets, sauf que les Américains ont plein de codes au niveau du dating, mais c'est assez particulier. Enfin, en fait, ils communiquent pas beaucoup. Nous, en France, on est assez cash, on dit vite les choses. Eux, c'est vraiment genre, soit c'est la règle des trois dates où il faut attendre trois dates avant de coucher en général, soit bah, tu peux coucher le soir même, mais c'est que des non-dits. C'est que des non-dits, donc c'est assez compliqué. Mais voilà. Enfin, en tant que Français, si vous vous posez la question, je pense qu'il n'y aura pas de souci sur ça, parce que bah, on sait que les Français à l'international, enfin, c'est pas propre aux États-Unis, hein, mais on est cliché des romantiques. Voilà. D'ailleurs, juste pour rebondir sur l'aspect un peu tech des applis de rencontre, Tinder, Meetic, Hinge, tout ça, c'est le même groupe qui s'appelle Match Group. Donc en fait, c'est la même boîte qui Mais met toutes les il y a tout le applications. monde, Ouais. quoi. Ouais. Donc en fait, ouais, c'est le même groupe. Ils sont basés aux US, à Dallas, s'appelle Match Group. Ok. Voilà. Et en parlant de t'as parlé de française, il y a une question, c'est est-ce que vous avez rencontré beaucoup de femmes françaises qui ont réussi là-bas en Californie? Alors, il y en a. Il y en a. Après, celle qui est la plus citée en général, c'est Mathilde Colin de Front. Après, moi, j'ai rencontré des Françaises qui étaient dans la finance aussi. Enfin, j'ai failli partir en stage avec une Française qui avait gagné la Green Card, qui avait fait Sciences Po et qui avait lancé un family office à San Francisco. Donc, j'ai aussi rencontré une fille de l'EM, du coup, diplômée en 2013 ou en 2014, Esther Porte, qui bosse chez Uber Très sympa. et qui s'occupe de. Je crois qu'elle, enfin, elle n'est pas encore la boss, mais elle a des bonnes responsabilités de Jump chez Uber. Donc, il y a des Françaises qui ont monté des boîtes. Après, moins que les mecs, parce qu'en général, de toute façon, à SF, ils aiment bien les ingénieurs, les profils tech. Et en général, ça, bah, malheureusement, c'est beaucoup de mecs pour le moment. Mais il y a aussi pas mal de femmes, et c'est super bien, qui ont des très bons postes dans les bonnes boîtes. Il y a moins d'entrepreneuses, malheureusement, mais il y a aussi des femmes, du coup, bah, qui sont en finance ou dans les grosses boîtes tech, que ce soit à San Francisco comme dans la Silicon Valley. Voilà. Donc, ce n'est pas la majorité, mais ça existe et je pense que ça se multiplie de plus en plus, quoi. Enfin, et heureusement d'ailleurs. Ok. Et dernière question. Est-ce que des connaissances dans d'autres langages de code aident pour le C? Ou le C, c'est tellement chelou que ça sert à rien? Non. Par exemple, pour donner un exemple, je pense que le Python, c'est une version beaucoup moins détaillée du C. Et que si tu as des vraies bases en Python, bah, tu peux vraiment exceller en C. C'est juste que ce que tu ne vas pas forcément dire ou expliciter en Python, tu vas devoir le faire en C. C'est une version beaucoup plus détaillée. Mais la logique est la même. Ok. Bon, bah, il n'y a plus de questions. Écoutez, c'était très cool, les gars. Merci pour ce moment. On espère aussi que vous avez kiffé ceux qui nous écoutent.
Écoute, Puis, merci à toi. encore une fois, n'hésitez pas à envoyer à MP, Sam, Simon ou Mehdi, c'est l'objectif. N'hésitez pas non plus si vous avez des suggestions de personnes qui aimeraient témoigner, qui ont des choses à raconter, à m'envoyer un MP aussi, donc Hamza El Mansouri. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup, Hamza. N'hésitez pas, ouais, à nous contacter, Merci hein. à merci beaucoup, Hamza. Que ce soit pour le VC, pour l'entrepreneuriat, enfin, ou pour les trucs plus créatifs, on vous aidera avec plaisir, quoi. Voilà. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Salut, Prenez soin de tchuss. vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao.